Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Tales of Vesperia. On n'était pas très synchronisé. Non, on ne dit pas les mêmes choses. Où est-ce que tu vas? Je voulais voir s'il y avait un coffre là, mais il n'y en a pas. On a déjà tout visité. Bah, c'est pas je crois bien. Allez, c'est parti. On va dans les rouages. Les rouages du temps. Attends, il y a eu deux scénettes là. Là, il y en a eu deux. Je suis d'accord avec toi. Il y en a eu deux qui sont pop. Ouais. Allez, on va regarder la première. De nouveau réunis. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une telle erreur. J'aurais dû y aller, bon sang. Ah, que quelqu'un fasse taire ce vieillard. Quelle erreur parles-tu? Oh, douce jeune fille, merci de me prêter l'oreille. Si j'avais rencontré cette beauté chrétienne avant Yuri, nous serions tous les deux. Wow, doucement, Rita. T'as un problème? Non. J'ai l'impression que le vieux se moque complètement de ce qui aurait pu m'arriver. Oh, je suis bien contente que tu n'aies pas été blessée, Yuri. Ouais, merci. Et là, la deuxième, elle est plus là. Ouais, bouge pas, c'est pas mais grave. Voilà, ça faisait ça plusieurs fois et à chaque fois, Dieu me disait, mais non, il y en a eu qu'une. Non. Le jeu, il voulait me faire passer par une poule menteuse. Oh, petit oiseau. Eh bah non, pas de petit oiseau. Alors, tu te sers d'une lance, toi aussi? Oh, tu connais quelqu'un d'autre qui utilise une lance? Bien, pas vraiment, mais ça me rappelle un crétin. Tu veux parler du chevaucheur de dragon? Ouais. Eh, tu n'aurais rien à me dire par hasard. Quoi, moi? Oui, alors? Où est passé ce cinglé au dragon? On a été séparés sur le toit, je suis à peu près sûr qu'il n'a pas été gravement blessé. Tant mieux, parce que ça m'aurait fait hésiter à le mettre en pièces. Oh oh, c'est uniquement pour ça que t'es venu ici? Non, je ne peux pas non plus pardonner ce barbos de ce qu'il a fait. Abuser des blessés comme ça, il a pas honte? C'est pas une raison pour amener la princesse avec toi dans un endroit aussi dangereux. Ce n'est pas la faute de Rita, j'ai pris seule la décision de venir. Je ne peux pas supporter que l'on fasse du mal aux gens sans intervenir. Je suis d'accord, bien dit. Capitaine Carole, ne me laisse pas tomber, je compte sur tes talents. Oui, bien sûr, allez, on va donner une leçon à ce crétin. Yeah. Hey, Carole a rien compris. Hein. Il a absolument rien compris. Merci Carole. Non, je crois que Yuri, tu es le seul sur le... Tu ne peux compter que sur Ripid. Désolé, mais pourrais-tu éviter de révéler tes activités? J'en connais une qui explorait si elle savait. Bien sûr, je comprends. Ça vaut mieux pour tout le monde. Ah oui, Rita, elle explore. Ah bah, Ripid et Judith. C'est aussi un membre de votre groupe? Ouais, mais il n'est pas très communicatif, mais t'en fais pas pour ça. Je m'appelle Judith. Ravie de te rencontrer. Hey, pourquoi se laisse-t-il caresser par Judith? Peut-être que ce chien adore les jolies filles. Mais je suis une jolie fille, moi aussi. Eh bien. Pourquoi ne le m'aime-t-il pas? Mais pour embêter Estelle, bien sûr. Oula, what? Ah. Alors, j'aime pas cette zone. Il fait quoi, lui? Je sais que c'est une fille, mais bon. Il est en train de converser avec le mur. Attends, ce truc, c'est un rouage, je dois pas activer ou quelque chose si, comme ça. Si, il y a des trucs, mais je vois absolument rien. C'est super noir. Ah, j'ai réussi d'ici. Je trouve que c'est super noir. Et pourtant, on a augmenté la luminosité de l'écran. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le souvenir que d'habitude c'est aussi noir. Non, mais... c'est bon, y'a rien. Eh, mais ils volent, c'est vrai. Bah eh, ouais, ils sont bloqués. C'est un oiseau. Ouais, en fait, il faut que t'actives tous les rouages partout. Dans tous les. Ah, mais j'en ai pas activé en bas. Ouais. Ah, si, je pense qu'il y en a un par étage et j'ai. En général, ouais. T'as peut-être dû en oublier un, du coup. Ouais, enfin, voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop cette zone. Y en a un là, je crois, à gauche. Enfin, je vois pas trop bien, tu vois. Donc... Ah, zut! Je joue avec Captain Carole. Ouais, j'ai pris une attaque! Je sais ce que j'ai appris, mais c'est pas grave. Ah, c'est bien ce qui me semblait, je suis. Allez, viens là, toi. Pouvoir des ténèbres, de la mort, de la vie, je sais même plus si comment que je fais une attaque rapide. Non, tu dis pas que je les pomme, toi. Hein. Ouais, j'ai appris une super attaque qui a rien fait. Tu vois, Judith, elle va mourir. Ouais, c'est pour ça qu'elle fait utiliser des gelées de pommes. Ah, mais on n'a pas de copains. On n'a pas de copains qui heal, voilà, c'est mieux. Purée, je suis super lent comme perso. Pour affronter des oiseaux, Carole, c'est pas le mieux. Hein. Moi, je les attaque au corps à corps. Hein. Bon, alors, y'a quoi de beau? Moi, j'y arrive pas. Bon, sérieusement, donc. Attends, tu veux pas faire un truc? La base de la tour avait l'air ancienne, mais le sommet est récent. On dirait que quelqu'un l'a construit sur une structure antérieure. Je ne savais pas qu'il existait des tours de la région. Je me demande quand est-ce qu'on les a construites. Eh bien, d'après le haut, je dirais que ce n'est pas très vieux. Vous croyez que c'est Barbos qui l'a construite? L'Alliance des Sangs est l'une des plus grandes guildes. Mais même elle, elle peut pas construire un truc pareil. Ragou, c'est sûrement lui qui a financé l'opération. Ah ouais, ça tient de vous.
Donc, je ne vois pas toujours pas pourquoi on a construit une chose pareille. Alors, qu'est-ce que tu voulais que j'aille voir? Là, il n'y a pas un truc là? Non, bah non, il est déjà activé celui-là. Non, par contre, en bas, il y a un coffre que j'ai pas été voir. Ok. Il y a un. Ah oui, il y avait un golem, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Purée. Je vois rien, désolé. Mais non, mais moi non plus. Fonce dans les murs. Je vois rien. Je suis sûr que la vidéo, on va l'améliorer et on va nous voir foncer dans les murs bêtement. Je sais pas si. Ouais, sur la capture, c'est mieux. Mais c'est affreux. C'est affreux. On voit absolument rien. C'est magnifique. Même en levant la tête, je peux pas voir. Bon, du coup, affrontons ce truc. Ah ben, il fait la cuisine lui aussi. Alors, le Kurama. Oh, est-ce que tu penses que je devrais l'équiper à Rapide maintenant ou pas? Je sais plus. Oh, tant pis alors. Il l'aura pas. Attends, je vais voir un truc sur la télé si je peux pas monter la luminosité parce qu'on voit absolument rien. Ouais. Ah! Je sais que beaucoup de chibus de jouer, hein, c'est pas grave. Ok. Ah ouais, mais non, tu vois pas, c'est ça? C'est pas grave! Oh, oh, la luminosité elle monte! La luminosité elle est à fond! Bon, visuellement, je verrai. Bon, on voit des trucs là, c'est déjà mieux, mais. J'ai oublié un endroit. Attends. Parce que ça marche pas. J'aime absolument pas cet endroit. Hein. Ah là, bah, bah voilà, ouais, bah, tout en bas, forcément. J'avais peur de l'oiseau, alors du coup. Ah! Ah, voilà, je sais bref, pas si je vais oh, me faire y a un coffre tout en haut là, oui. À droite. Ah, c'est déjà mieux avec la luminosité, on voit des trucs là, c'est incroyable. Ça change la vie! Ok, donc on va enfin pouvoir monter, c'est trop bien! Oh, ah! Bon, là, c'est pas parce que je vois pas, hein, c'est juste que. Non, mais d'habitude, je vois pas la télé aussi sombre. Hein. Bah non, c'est bizarre! Qu'est-ce qu'il fait le golem? Ah, voilà! Judith, elle a appris plein de trucs. Allez, c'est parti, ouvre ce coffre qui contient une gelée d'orange, trop bien! Personne ne s'en sert. Allez, hop, monsieur, Rita. Il y a encore du rouage à activer. Il y a un truc aussi cool. Tu vois, il y a aussi un truc derrière. Là, je peux pas parce qu'il y a le. Non, bah non, tu peux pas, il faut d'abord. Oh, quoique, peut-être que tu peux pas effacer là, en fait, je sais plus. Mais non, je peux pas, il faut le désactiver. Non, non, mais là, là. Ah. Là, là, ouais, comme ça, là, de droite. Non, non, il faut désactiver les deux. Mais tu t'appuies pas sur le bouton de l'anneau du sorcier. Mais non. Ah, ah non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah non, regarde, ça passe mais ça marche pas. Ah, ça marche pas, ok, il faut activer des trucs. Ah bah là, oh bah pfff. Bah c'est pareil là, hein. Dragon bleu. Dragon blanc aux yeux bleus. Mais non, c'est le RPG Blue Dragon. Attends. Je l'ai touché la tête. Je cuisine un peu au hasard en fait. Parce que je sais pas ce que tu veux en priorité. Absolument rien. Alors, je continue à choisir au hasard. Ouais, trop bien. Oh, t'as aussi activé un petit pont. Un petit pont de fer. Non, laisse-moi. Oh, je sais pas viser. Corne de magicien. Bon, après, voilà, là. Dans... Oh. Quoi? Bah, je m'étais arrêté et on voyait ma tête. Oh, t'es grosse, Rita. T'es grosse, faut faire un régime. Hein. Non mais là je crois que c'est assez voilà, c'est assez linéaire maintenant, puisque voilà tu actives ça et du coup ça fait descendre truc. Oui je me doute bien. Ah non en fait. Ah si oui, j'allais dire quand même si. Eh mais du coup il est revenu lui ou il a toujours été là? Oh il a toujours été là. Mais je crois qu'il revient. Ouais non quoique. Non il revient au bout d'un moment. Bah ouais je me souviens oui, bah ouais dans le premier donjon qu'on a traversé ensemble là, avec Rita. Non mais faut que j'arrête de faire ça. Faut que tu changes. Faut que tu changes. Attendez une minute. Waouh. Voilà. Quel changement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un cuisinier. Mais que fais-tu donc là? Je me suis fait enfermer par Barbos le méchant. On dirait que vous m'avez trouvé. Vous êtes plutôt doué. En récompense, je vais vous apprendre à cuisiner. Tu vois, Barbos il manquait tellement de cuisiniers, il manquait tellement de cuisiniers qu'il l'a enfermé. Je vais vous donner ceci pour vous permettre de vous entraîner. Ouais, on va faire des salades maintenant. De toute façon, sachant que ça, il nous a donné 3 ensembles d'ingrédients, c'est-à-dire quoi? Qu'il nous a juste donné de la laitue, 3 morceaux de laitue. Mais non, de la laitue, de la vinaigrette et des tomates. Ah non, 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 c'est une salade. Hey, c'est pas une salade à truc ou truc, hein. C'est juste une salade, donc c'est juste. T'es sûr? Bah ouais. On peut voir là-dedans. Ouais, non, là tu vas voir. Mais non, mais c'est, si tu vois, ça veut rien dire parce que là tu vois un sandwich, c'est juste avec du pain et des œufs. Tu vois, c'est une salade avec. Des tomates et des concombres. Ah, tu vois, il y avait des tomates. Et des concombres. Mais pas le vinaigrette. Ah, bah c'est pas grave la vinaigrette. Mais tu vois, il y avait. Ouais, bon. Eh, il y a un truc là sur le côté. Eh ben voilà, il s'ouvre. Mais tu vois, tu aimes les concombres les. Oui. C'est vrai? Non. Mais voilà, tu vois en plus.
Tu vas me faire le coup des cornichons, c'est ça, hein? Moi j'aime bien les cornichons, hein. Sauf si... Enfin non, j'aime que les cornichons de McDo, hein. Non, j'aime pas les cornichons. Je sais, c'est ce que tu m'as dit une fois. oui non, pardon, j'aime ni les concombres ni les cornichons. Mais si, parfois tu les manges, les cornichons... Non, pas les cornichons, les concombres, non. Dans les salades japonaises. Ouais. Qui, à ce qui paraît, ils sont pas japonaises. Ce niveau a l'air de reprendre la disposition du précédent. Ça veut dire qu'il y a des engrenages à déplacer. Qu'est-ce qu'ils pouvaient chercher à protéger avec tous ces accouches d'appareils? C'était peut-être tout simplement leur orgueil de guilde. Ok. Bah ouais, t'es orgueilleux quand t'es une guilde. Tu savais pas ça. Tu peux l'avoir lui? Ouais. Mais je comprends pas l'intérêt d'avoir un rouage pour faire un petit pont qui est juste à côté. Pour faire durer le jeu artificiellement. Augmenter la durée de vie. Tiens, il y a des gens là-bas. Ah non, c'est une mage. Oh, non, si j'ai ouvert les escaliers. À moins qu'il y ait un coffre derrière elle, mais je crois pas. Je crois que si. Il semblait en avoir vu un quand même. Ah bah t'as rien. Tu sers à rien, madame. Moi aussi. Allez, on arrive là-haut. Pan. Il a pas aimé, hein. Avec Repeat, nous on est utile, tu vois. Mm-hmm. On est les piliers du groupe. Allez hop. Une cape bénite. La cape bénite. Ça à des gens. Hein. Ça serait bien un jour, ouais. Tu veux qui que quoi d'en haut? Attends. Je sais pas, moi. La cape bénite, ça je crois que c'est pour Rita, hein. Ouais. Ah bah dis donc, on en a des choses qu'on m'a pas équipé. Mais non, mais c'est des vieux trucs. Ah bah non, t'as pas encore appris contre le croisé. Ah bah c'est nul alors. Attends, il y avait machin, il avait son épée là. Ah bah il a pas encore tout appris lui non plus. Bah il a presque fini. Ouais bah il a pas fini. Et elle. Et bah, elle a pas fini non plus. Ah. Et moi je dis pas le droit moi, hein. J'ai obtenu l'attaque Dragon Bleu, mais hein. Ah bah j'ai pas fini. T'as pas appris Force 2. Et en plus c'est cool Force 2. Et là il y a des trucs où il y a juste un golem. C'est pour plus tard, je crois. Ah, là, tu peux. Quoi que... Moi, je peux pas y aller, non. Il faut ouvrir ah, non, un pont. Il peut pas, ouais. Hey, il a pris des trucs maintenant, on peut changer Repeat là, du coup. Ouais. Mais non, c'est bon, c'est ça. Kotaro. Tu veux Kotaro? Non, mais non, c'est pas Kotaro, c'est encore en bas. Ah, bah, quoi que. Kurama. Tu préfères avoir. Kurama ou. Tu peux le faire Kuromo ou. Tu préfères la vitesse ouais, de ouais, du chasseur? Ouais, ouais, vas-y, croc de chasseur, je sais pas c'est quoi, mais c'est, ça a l'air cool, quoi. Non, mais ça, repars à droite quand même. Mais je peux pas. Tu peux peut-être. Je crois qu'il y en a un, il faut que tu le retires. Non, tu peux. Ah, bah si, voilà, je me le disais aussi. Hein, donc, ouais, mes souvenirs, le vieux joueur du Tales of, là, il remonte. Tu vois, hein. Toujours me faire confiance. Bon, du coup, on doit attaquer le monsieur méchant pas beau. Il y a une mage derrière. Mince. Bah attends, tu sais quoi là, hein? Je te posais la question tout à l'heure. Non! Du coup j'ai fait une bêtise je crois, je sais pas ce que j'ai fait mais... Non, j'ai utilisé une fiole de limite. Oh non c'est bon, elle a pas été utilisée. Ok, il craint rien. Mais si, il craint les Stone Age. Faut faire les Stone Age sur lui. Faut faire les Stone Age sur lui, moi je te dis. Crois-moi. Regarde, moi je casse mon store à côté du monstre, j'ai pas peur. J'ai peur. Tu vois, furé. Attends, je vais taper. Non, arrête. Tu tapes encore à corps. Moi je suis mort du coup. Je suis mort du coup. Moi je vous regardais faire. Attendez, est-ce que tu. Je pensais que t'allais refaire. Hein. Ok. C'était un combat difficile hein, contre le golem. Ah bah c'est sûr. Heureusement hein. Qu'il est pas un mandré. Allez, on va vous faire faire des allers-retours parce que c'est trop drôle. C'est pour augmenter la difficulté. Non, pas la difficulté, la durée de vie du jeu. Parce que sinon le jeu il est trop court. Allez hop. Monter un peu cette flamme. Non, toujours pas. On va monter d'un seul coup avec un seul rouage. Je crois pas. Je ne crois pas. Bon, mais franchement, ce donjon, ils l'ont mal fait. Hein, parce que voilà, il est un peu trop long. Oh, mais non, moi je préfère un donjon plus court. Moi, j'aime pas les donjons trop longs. Où tu dois juste te promener et taper dans des rouages. Hein. Franchement.
Non mais tu vois, c'est ça qui est bien dans les RPG en fait, c'est que tu vois, donc tu commences le RPG, t'es content. Au début tu dis je vais affronter tous les monstres. Je vais à la moitié du jeu, tu commences à éviter tous les monstres. Oui. D'ailleurs j'ai mis un pont mais il sert à rien. Je suis désolé hein. Ouais ouais, il sert à rien. À moins qu'il y ait un truc qui descend. Mais non, ça descend. Oh, je sais pas en fait. Il m'a attaqué par derrière, vous avez vu? Quoi? Pourquoi je suis Raven? Vas-y, Carole, il a du soin, il soigne même pas. Mais pourquoi je vais aller là? Je peux pas. Je sais même plus où il faut aller. En haut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Le marteau à pointe, c'est pour Carole. Et comme personne joue avec Carole, là on s'en fiche. Sauf quand là, elle décide de se laisser faire attraper par les monstres. Faut pas mal le prendre, c'est juste que voilà, je me dis, les gens ils aimeraient bien voir d'autres personnages, mais comme tu coupes les combats... Bah ouais, hein. Faut faire ça dans les nouveaux combats, hein, parce que sinon c'est pas très intéressant. Oui, tu peux, mais tu vas te faire attaquer par le monsieur. De toute façon c'était, j'arrive à le toucher, c'est bon, et j'arrive pas à le toucher, c'est bon. Ils savent pas cuisiner, et puis Yuri qui sait faire des sandwichs. Vous servez à rien, je suis sûr que la salade, vous savez même pas la faire. Non mais attends, c'est pareil ça, comment tu rates une salade? Bah peut-être que le concombre il est coupé pas très bien. Bah et alors il est quand même mangeable. Attends mais il faut pas le laver le concombre. Si il faut le laver mais il faut pas le cuire le concombre dans une salade, si. Bah non. Non ça se cuit pas un concombre. Mais quoi? Non il faut taper le petit. Mais il est gris. Bah non c'est pas le petit alors. Attends, je vais pas déverrouiller ça pour rien. Je le touche là. Ah. Ouais, faut que j'aille celui de là-haut d'abord. Tu vois, en parlant des concombres comme ça, oui. Eh bien je viens de prouver que c'était vraiment possible de rater une salade en fait. Bah oui, tu vois, il cuit le concombre sans faire exprès et voilà, c'est la fin. Ah, peut-être ouais là. Voilà. Et lui, du coup, ça va faire quoi? Ça va monter le rouge. Bah oui, mais ça a aucun rapport avec celui d'en bas. Bah non. Donc du coup, en fin de compte, c'est quoi? Il y a quand même un ordre. Bah je sais pas. Purée. Ah, mais théoriquement, je pense quand même que c'est le petit qu'il faut taper. Hein. Le petit, bah non, je peux pas taper toucher, je suis trop grande. Ah ok, c'est par devant qu'il faut le taper. Hein. Tu vois, hein? Je te l'avais dit. Hein. Alors à quoi ça sert d'avoir fait le pont? Le pont, il sert à rien, mais... C'est comme s'il n'existait pas. Mais on pouvait le faire depuis le début, alors. Ah ouais. Mais si, le pont il servait à faire ça. Et non. Mais si, il y avait le rouage dessus. Mais on l'a retiré avant. Avant que le pont arrive. Oh, je sais plus, ça sert à rien. C'est ainsi qu'on ne sait pas faire une salade. Y a encore un étage ou oui, c'est fini? Encore un étage. Ok. Que je m'arrête pas trop tôt. Ah bah c'est bon, il y a le point de sauvegarde. Jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je voulais le faire un stun. Quoi? Vous m'arnaquez? Arrêtez! Obligé de jouer Carole. Mais pourquoi? Il est lent, j'aime pas les persos lents moi. Quand est-ce que vous allez le... Est-ce que t'aimes bien les cerfs-volants? Je sais pas. J'ai fait une seule fois du cerf-volant dans ma vie. Attends, pourquoi j'arrive pas à le toucher? Non mais je suis juste à côté, j'y arrive pas. Pourquoi Carole est si lent, sérieusement? Mince. Voilà. Ouais, j'ai réussi à faire un truc. Parce que tu veux t'arrêter ici? Non, je veux d'abord tuer celle-là. D'accord. Mais c'est une statue. Voilà, c'est une statue pour de vrai. Mais non, je voulais pas toucher. J'ai touché son bâton. Parce que tu veux ouvrir ses coffres, oui. Oui, un arc puissant pour Raven. Bon bah, je suppose que du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette partie de Tales of Vesperia qui est arrivée avec 2 jours de retard, mais c'est pas grave. Allez, à bientôt pour la suite.